Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. L'eau, essentielle à la vie, voit son cycle perturbé par le réchauffement climatique et l'activité humaine. D'un cycle constant avant la révolution industrielle, aujourd'hui, 50% de l'eau est captée par les industries humaines. Alors que le printemps bat son plein, nous ne savons pas exactement à quel été nous devons nous attendre en termes de chaleur. Si au niveau planétaire le réchauffement est acté, la météo locale, comme en France par exemple, est difficilement envisageable malgré une prévision à la hausse pour cette année par rapport à l'année dernière, craignant l'arrivée d'El Niño pour début juin. El Niño est un phénomène climatique particulier, différent du climat usuel, qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique Sud, provoquant des déplacements de précipitations et de sécheresse. Le printemps est donc le début des plantations dans le potager aussi. Connaître les besoins en eau des plantes, des sols et les moyens de la conserver paraissent essentiels. Les plantes sont constituées à 90% d'eau. Sur 1 kg de tissu végétal correspond donc 900 g d'eau. Les tissus les plus humides sont les fruits et les plus secs, en général, les graines. L'eau permet les réactions chimiques de la vie, appelées réactions métaboliques, qui se déroulent donc en phase aqueuse. L'eau sert de solvant pour les substances minérales ou organiques, et elle est indispensable au fonctionnement des protéines, et en particulier des enzymes, qui favorisent les réactions métaboliques. Comme une rivière qui transporte, elle permet l'acheminement des sels minéraux, des sucres, des hormones, d'une cellule d'un tissu ou d'un organe vers un autre. Dernier élément, essentiel et miraculeux, par la photosynthèse, l'eau permet de produire l'oxygène nécessaire à la plante, et non par le gaz carbonique, qui est une idée très répandue. Ce lien étroit entre l'eau et la vie explique les tentatives de recherche d'eau dans l'univers pour découvrir la vie ailleurs que sur Terre. Le mécanisme nécessaire à la plante pour croître et produire est la transpiration pour la photosynthèse. Le gaz carbonique doit arriver aux plantes pour être transformé en sucre. Cet échange gazeux est opéré par les feuilles via de minuscules structures appelées stomates qui s'ouvrent et se referment. Lorsqu'ils s'ouvrent, pour laisser pénétrer le gaz carbonique, ils perdent par la même occasion l'eau sous forme gazeuse. 97% de l'eau absorbée par les racines ne fait que transiter, et seulement 2% conservés pour la croissance en volume de la plante. Le dernier pourcent, quant à lui, est utilisé pour la photosynthèse. Une molécule de gaz carbonique absorbée est égale à 500 molécules d'eau perdues. Avec la chaleur, la plante va transpirer pour se refroidir, et parfois perdre excessivement en eau car contrairement à l'animal ou à l'homme, la plante installée au soleil ne peut se déplacer à l'ombre. En premier conseil, disposer son potager mi-ombre semble donc pertinent. Pour ma part, depuis quelques années, il n'est plus exposé plein soleil, mais plutôt ombragé à l'abri sous les arbres, ce qui permet aux végétaux de moins souffrir de la chaleur intense. Lorsque la chaleur est trop forte, la plante referme ses stomates pour conserver le minimum et arrête totalement sa croissance au-dessus de 30 degrés. À la plantation, n'hésitez pas à pratiquer un bon arrosage. L'équivalent de 10 litres d'eau par plant, suivant la composition du sol. D'un coup, si la structure est meuble, progressivement, si elle est compacte et ne pénètre pas d'un seul coup. Cet arrosage de plantation permet aux racines d'aller chercher en profondeur l'eau pour sa consommation, plutôt que d'avoir des racines en surface qui ne pénètrent pas suffisamment le sol et ainsi sont plus sensibles aux excès de chaleur. Cette année, nous avons eu de la chance, les pluies ont été régulières, et ont permis d'avoir une terre pas trop sèche pour la plantation.
Un autre élément qui en découle est de bien connaître la nature de son sol. C'est impératif pour le maraîchage. La granulométrie de la terre permet de connaître la composition en particules, de la plus fine, comme le sol argileux, à la plus grossière, comme le sable. Et donc du moins absorbant au plus absorbant. Le sol détient donc des propriétés de rétention en eau et d'aération. Si votre sol est trop argileux, signifiant que l'eau a du mal à pénétrer, il faut l'amender. Pour cela, utilisez compost, BRF, tonte ou encore feuillage en automne. Le but, permettre aux bactéries de se développer et d'inciter les vers de terre, ingénieurs de la terre, à remonter en surface pour aérer le sol. Sachez que les vers de terre peuvent aller jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ainsi, aérer le sol permet d'éviter l'asphyxie des plantes par les racines. Vous pouvez également planter des engrais verts qui vont aérer le sol et renforcer la structure en matière organique, comme la moutarde par exemple. Pratiquer un binage peu profond permet aussi à l'eau de mieux pénétrer le sol. Un autre conseil est de planter serré. Mutuellement, les plantes permettent un microclimat permettant la conservation de l'eau. N'oubliez pas de varier vos cultures pour empêcher les nuisibles de repérer rapidement leur proie. Sur Internet, vous trouvez facilement des tableaux sur les plantes compagnes permettant un échange mutuel efficace, qu'il s'agisse des prélèvements ou d'apports nécessaires, ou encore de protection contre les ravageurs. Un autre conseil essentiel de nos jours est le paillage au sol. Paille ou foin permettent de conserver davantage l'eau dans le sol et de le préserver des attaques du soleil et du vent, qui, ne l'oublions pas, dessèchent également énormément le sol et donc les plantes. Installer des récupérateurs d'eau n'est plus insolite ni moche, mais nécessaire. Il permet de récupérer l'eau de pluie et de préserver les ressources en eau douce sorties de nos robinets. Deux petites astuces pour enrichir l'eau d'arrosage. Tout d'abord, la banane. Si vous êtes consommateur de bananes, ne jetez pas la peau. Celle-ci est riche en azote, potassium, magnésium, phosphore et fer, impératif à la croissance des végétaux. Comment procéder ? Coupez la peau de banane en morceaux, plongez-la dans un seau d'eau, laissez mariner au moins 48 heures, filtrez, c'est prêt, il n'y a plus qu'à arroser. Un deuxième élément qui surprend, et pourtant qui est très efficace comme engrais naturel, c'est l'urine. Tout d'abord écologique puisqu'elle réduit le volume d'eau usée lorsqu'elle est conservée, elle est un concentré de bienfaits pour les plantes. Comment procéder ? Pour 1 mètre carré de terre, il faut 1 à 3 litres d'urine pour les plantes à feuilles peu gourmandes comme les salades. Pour les tomates sous serre par exemple, on est plutôt sur du 4 à 5 litres. Elle s'utilise essentiellement pour la croissance des plantes puisque riche en azote, un peu comme le purin d'ortie. Cependant, si vous avez mis suffisamment de compost, c'est inutile, puisqu'un excès d'azote peut permettre le développement de maladies. Le dosage est de 50 cl d'urine pour un arrosoir de 10 litres. Opération à recommencer toutes les 3 semaines et un délai d'un mois après le dernier arrosage avant la récolte. L'urine a un autre avantage, elle est un accélérateur de compost puisqu'elle favorise la décomposition des matières organiques, comme la paille, les copeaux de bois ou encore les feuilles mortes. Pour ce faire, mélangez 1 litre d'urine pour 1 litre d'eau. Attention cependant à ceux ayant une alimentation salée qui produit donc une urine salée néfaste aux plantes. Un sol aéré et riche en matière organique permet d'atténuer l'odeur. Voici un bref petit tour de solutions efficaces pour l'arrosage et la préservation de l'eau dans votre potager pour cet été. N'oubliez pas, l'eau est essentielle à la vie, alors préservons-la. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, 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 green,